Ça fait 12 ans maintenant que je fais de la viande maturée. Et la question qu'on me pose tous les jours, c'est comment je peux réussir ma côte de bœuf maturée sans la louper? Eh bien, il n'y a rien de plus simple. Alors du coup, on commence par allumer la plancha. Je rajoute un tout petit peu de matière grasse pour pas que la fibre colle trop à la plaque. Et voilà, on va la poser en cuisson. On va compter 6 minutes de chaque côté. Il faut savoir une chose, c'est que la viande maturée, c'est une viande qui n'a plus d'humidité, du moins très peu, et plus de sang dedans. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas la louper, c'est moins compliqué qu'une côte de bœuf habituelle. Donc, vous ne retrouverez pas du bleu, du saignant, ça sera rosé au milieu. Là, elle commence à avoir la belle couleur. Et il vous manque la petite odeur de noisette. On va la laisser reposer 5-6 minutes, pareil, et on vient la couper après. Moi, personnellement, à mon goût, c'est une viande, il n'y a besoin ni de sel, ni de poivre, rien du tout.